Comment trouver un homme beau, riche, intelligent, la personne parfaite pour vous de manière extrêmement rapide. Déjà, j'espère que vous avez apprécié le titre pour démarrer, qui est très racoleur. Et je vous donne des conseils qui sont ceux que clairement j'aurais adoré avoir dans ma vie beaucoup plus tôt. On va voir que c'est un défi aujourd'hui. Je vais essayer de transformer votre esprit pour que vous soyez capable au plus vite de rencontrer la bonne personne. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et il y a un lien pour me contacter qui est juste en dessous. Avant de vous dire ou de vous montrer comment faire pour rencontrer cet homme parfait, j'aimerais juste qu'on comprenne la situation actuelle aujourd'hui, quelle est la psychologie masculine, quelle est la psychologie féminine, voir pourquoi est-ce qu'il y a un delta qui a du mal à se rencontrer aujourd'hui. Parce que si on comprend ça, on trouve de manière beaucoup plus simple la personne idéale par la suite. On va commencer par ce qu'on pourrait appeler le traumatisme masculin. Sachez qu'aujourd'hui, les hommes ne sont pas tranquilles dans leur vie. YouTube, typiquement, pullule de vidéos qui va expliquer aux hommes qu'ils sont des victimes. Et ils vont leur dire, mes amis les hommes, on tente de vous castrer aujourd'hui, vous n'allez pas rencontrer de femmes qui soient bien, elles vont vous utiliser pour votre argent, etc. Sachez-le, ça existe. Des vidéos qui en plus sont des caricatures avec de mauvais liens de cause à effet et qui sont très efficaces. T'es un homme, tu regardes ça, même si t'y crois pas, tu fais « Ah ouais, c'est vrai, ils ont raison, je suis victime de quelque chose aujourd'hui. » On parle de vidéos masculinistes, on parle de vidéos qui s'appellent des « red pill ». Voyez la vérité en face, voici ce qu'on vous cache, ce que personne ne veut que vous sachiez. Le problème, c'est l'autre, le problème, c'est les femmes. Pensez bien à ça pour trouver l'homme de votre vie. Et ils vous disent, la solution simple, c'est comporte-toi comme un bonhomme. Voici typiquement le genre de vidéos, même en réel, des vidéos courtes, dans des vidéos beaucoup plus longues, voici ce qui pullule comme type de conseil. Sois un guerrier, mec. Ne montre jamais ta faiblesse. Fais de l'argent. Et si tu fais tout ça, toutes les femmes seront là en train de gratter à ta porte. Il te dit aussi, le problème, c'est les femmes là-dedans. On va voir que dans les vidéos féministes, ultra-féministes, on a des discours équivalents dans l'autre sens. Ils vont te dire aussi, c'est pour ça que tu ne matches pas sur les applications de rencontres. Elles sont juste intéressées par ton fric. Ou encore, ils vont te dire, on essaie de te castrer aujourd'hui. Tu n'as même plus le droit de faire une blague un peu sexiste au bureau parce que tu auras un procès, tu vas finir en prison. On t'empêche d'être qui tu veux réellement être. Et finalement, si on résume ce traumatisme inconscient côté homme, si vous le connaissez, vous saurez le repérer après ça en société chez les hommes. Ce traumatisme, c'est « mec, sois un guerrier, ne montre jamais la moindre sensibilité ». Je peux te dire une chose, on en reparlera par la suite, si tu rencontres un homme qui est comme ça, ton couple aura forcément un problème. On comprend un peu mieux que certains hommes sont amochés aujourd'hui dans la société par ce genre de discours. Maintenant, on peut aussi parler du traumatisme féminin. Le même genre de vidéo dans l'autre sens. Après le masculinisme, l'hyperféminisme. Tu es la victime des hommes. Tu as bien raison d'être en permanence insatisfaite pour les hommes. Tu donnes beaucoup là-dedans, tu donnes énormément là-dedans. Ça fait des millénaires qu'on t'utilise. Et le traumatisme inconscient, c'est « je suis une femme fragile, je suis une femme sensible, je donne tout là-dedans ». Et je suis une victime des hommes. Dans les deux cas, on te victimise et le problème, c'est l'autre. On arrive donc sur deux clans qui finalement ne se comprennent plus du tout, qui ont du mal à parler et qui ont du mal à construire quelque chose de sensé par la suite. Du mal à construire un couple qui serait sain. Parce qu'au moindre problème dans le couple, t'es abreuvé par des discours qui vont te renforcer sur tes positions. Toi, t'es la personne géniale, le problème, c'est toujours l'autre. Trouvons maintenant l'homme parfait, maintenant qu'on sait à peu près dans quel type d'ambiance sociétale on se trouve. Tout d'abord, une personne parfaite, l'homme parfait, c'est un homme qui n'agresse pas l'autre. Je parle même pas d'agression physique, je parle juste d'être agressif dans le fait de vouloir t'imposer des choses que t'as pas forcément envie de faire. Et encore une fois, rien d'intime là-dedans, tu veux aller au cinéma voir quelque chose, l'autre t'impose son point de vue, il n'a pas à t'imposer quelque chose. Et dans l'autre sens, t'as pas non plus à imposer quoi que ce soit à l'autre. En réalité, dans un couple sain, chacun peut faire exactement ce qu'il veut à partir du moment où il n'est pas en train d'empiéter sur le domaine de l'autre, où il n'est pas en train d'agresser l'autre, de forcer l'autre. Si jamais t'as envie de faire le poirier 5 heures par jour, fais-le dans ton couple. Tant que ça vient pas embêter l'autre, ça va, aucun souci. Maintenant, si tes activités consistent à forcer l'autre en permanence ou que tes choix de vie viennent impacter la vie de l'autre, dans ce cas-là, il y aura un problème. Un homme sain n'agresse pas l'autre et de la même manière, ne te fais pas agresser.
C'est-à-dire que les deux personnes ne doivent pas agresser ni même se faire agresser. Déjà, tu pars sur déjà une assez bonne base de couple. Choisis quelqu'un qui soit à peu près là-dedans. Deuxième chose, par rapport à ce qu'on a vu au tout début sur le côté red pill et où on te montre que tu es victime, etc. Une personne saine, homme ou femme, est une personne qui est forte et sensible. Tu dois être forte et sensible, l'autre doit être fort et sensible également. En plus d'être fort et sensible, sois capable d'exprimer cette force et aussi cette sensibilité. Et trouve quelqu'un qui soit fort, mais qui sache aussi, un homme qui sache par exemple, le soir te dire « Voilà, écoute, avant de s'endormir, voilà, j'ai vécu quelque chose qui était un peu compliqué aujourd'hui, j'aimerais te le partager. » Génial, il arrive à te confier un moment de difficulté dans sa vie, vous pouvez en parler ensemble, peut-être qu'il a besoin de réponse, peut-être qu'il a juste besoin d'une oreille attentive, il y a quelque chose d'extrêmement sexy à avoir un homme qui soit à la fois viril et qui ait une forme de sensibilité. Alors, bien évidemment, on ne demande pas l'égalité pile là-dedans. Peut-être que l'homme sera un peu plus fort, peut-être que tu seras un petit peu plus sensible, ou qu'importe, ou même dans l'autre sens. En tout cas, cherche à peu près cette cohésion. On est à peu près à l'équivalence là-dedans. Beaucoup de femmes me disent « je gagne bien ma vie, je suis chef d'entreprise » et les hommes, ça les met en panique de voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire probablement que l'homme n'est pas suffisamment confiant dans sa force parce que dès qu'il voit que tu as de la force, il est en panique. Et c'est un red flag, c'est un drapeau rouge dingue. Un homme ne supporte pas ta réussite. Un homme ne supporte pas de te voir heureuse. Un homme ne te supporte pas bien dans tes baskets. Fuis. Le rapport force-sensibilité n'est pas bon. Il se veut que fort, il te veut que sensible. On est sur une équation qui ne marchera pas à terme. Et au passage, fais l'expérience suivante. Si à un moment donné, tu te montres faible et que l'autre en profite, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne. Autre point essentiel pour rencontrer l'homme de ta vie, il est au même niveau de progression psychologique que toi. On pourrait aussi parler d'un niveau de conscience. Il y a un dicton génial qui dit « trouve la femme de ta vie dans le même quartier que toi ». En gros, c'est des gens qui évoluent, dans une population qui évolue à peu près dans un même niveau de conscience. Plus l'autre va te ressembler, plus tes chances que ça fonctionne seront élevées. Je peux vous dire avec les années, une fois qu'on a fait sa thérapie, une fois qu'on a bossé sur soi, quand je parle de thérapie, ça peut même être une autothérapie. T'as bouquiné les bons livres, t'as regardé les bonnes vidéos, t'es à peu près bien dans tes baskets, t'es serein, tu ne peux plus te mettre avec quelqu'un qui n'aurait pas fait ce même travail, quelqu'un qui se traîne, par exemple, des traumatismes d'enfance qui ne sont pas réglés, des soucis de vie, des soucis de colère, de jalousie, etc. C'est juste pas possible. Ou une personne qui attend qu'on la sauve, ou même que toi, tu attends que l'autre te sauve. Ce ne serait pas possible. Admettons que la vie soit un peu comme un train, il faut que vous soyez à peu près dans le même wagon, en fait, dans l'avancement que vous avez fait dans votre prise de conscience de comment avoir une vie saine et heureuse. Et parfois, on peut avoir un espèce d'excès d'optimisme, se dire « Ok, cet homme-là est extrêmement beau, j'en sais rien, beau, riche et célèbre, et c'est vrai qu'il n'a pas l'air très équilibré. Mais j'ai confiance en moi, en tant que femme, pour faire que je vais l'apaiser. Et finalement, moi, je suis déjà tranquille dans ma vie. » Au passage, qu'on se mette d'accord, hein. C'est pas l'argent, la beauté ou la célébrité qui va te rendre plus heureux sur Terre, mais tu peux te dire « Moi, je suis déjà à ce niveau-là de zénitude dans ma vie, de tranquillité. » Lui, il a l'air d'être en retard par rapport à ça, mais le fait qu'on s'aime, le fait que ce soit cool et le fait que j'ai déjà fait ce chemin, fait que le chemin, il pourra le rattraper par la suite et arriver à ce même niveau de zénitude. Sauf qu'en réalité, quand l'écart est trop grand dans votre niveau de conscience du bonheur ou dans votre avancée de vie ou dans tout ce que vous avez fait pour avoir une vie calme, il ne le passera pas. Tu auras peut-être même l'envie de l'aider en permanence, lui n'y arrivera juste pas et l'écart va se creuser. Voici quelques warnings que tu peux observer. Il te fait des crises ou tu fais des crises pour rien. C'est des crises à répétition qui ne se règlent pas. C'est toujours toi qui résous. Ou encore pire, l'autre fait semblant de les résoudre. Il te dit « Oui, c'est bon, cette fois-ci, j'ai vraiment compris ce qui s'était passé et ça va aller de l'avant. » En fait, il n'a pas du tout compris. Il fait semblant, il rajoute juste des mouchoirs au-dessus de quelque chose pour te faire croire que c'est bon, il a compris. Sauf qu'en fait, le moteur psychologique est toujours là et le même problème réintervient au bout de 2 semaines ou au bout d'un mois et ça recommence exactement pareil. Et en fait, ce qu'il fait, c'est pas comprendre ce qui se passe, il fait juste du rattrapage. Il te fait croire qu'il a compris quelque chose, il revient vers toi pour que la relation puisse recommencer. Sauf qu'en fait, il n'a rien compris, il n'a pas réussi à évoluer. C'est même pas qu'il n'a pas voulu, il n'a pas réussi à évoluer et le problème est exactement le même. Parfois même, les deux font semblant d'avoir résolu quelque chose. Oui, c'est bon, j'ai compris. Moi aussi, mon chéri, j'ai compris. Sauf qu'en fait, non, le même problème réintervient 2 semaines après. Personne n'a rien compris là-dedans. Un couple sain aurait une autre type de dynamique. T'arrives dans la cuisine, le mec te fait « Bébé, ça va ? Il y a un souci ?» La fille fait «
Non, non, pas du tout. Non, non, il n'y a aucun souci. Ton assez sec qui montre qu'il y a un problème. J'ai envie de te dire, à ce moment-là, il y a vraiment un souci. Elle ne l'a pas dit. Mais peut-être quelque part, qu'importe, parce qu'une heure après, elle a réussi à internaliser la chose, elle a réussi à verbaliser le problème, ils en parlent autour d'un café, ils trouvent une solution et ça avance. Un problème n'a pas forcément à être résolu de suite. Il peut être résolu au bout de quelques heures, voire même quelques jours. Mais il y a un souci, on finit par en parler, on finit par trouver une réponse et on avance. Et ce souci-là, on sait qu'il n'arrivera plus jamais dans toute notre vie, ou peut-être une fois ou deux, mais après ça, c'est bon, c'est réglé, on a vraiment tout compris. Quand on parle de niveau de progression, pense bien une chose, pourquoi est-ce que avec tes amis ça se passe bien? Parce que tes amis sont au même niveau de progression que toi. Vous parlez la même langue, ça se passe bien, c'est fluide. Vous avez la même vision de la vie de manière générale. Tu es donc en droit d'attendre les mêmes choses de la part de ton couple. Je trouve un compagnon qui est au même niveau d'avancement que moi dans la vie. J'aime bien cette image du train. Lui, il est en retard, il est quelque part derrière. Non, attends quelqu'un qui soit à peu près au même niveau et tu auras une vie super heureuse. Attends ça de ton couple, de même que tu attends ça de tes amis, sans être aveuglé par sa beauté ou son intelligence ou l'argent. Et j'ai envie de te dire, même ne sois pas aveuglé par l'amour que tu as pour lui. Je l'aime. Mais il est violent psychologiquement. Je l'aime, mais il me maltraite. Tu sens bien que quand on met le « mais » quelque part dans la phrase, tout ce qui est avant, tu peux l'enlever. En fait, non, tu l'aimes pas. Il est juste violent psychologiquement. Il est juste toxique dans ta vie. Il te fait juste des problèmes en permanence. On en arrive sur le prochain point qui est, parfois, quand on est avec les mauvaises personnes, tu as le droit de dire « je t'aime, mais je te quitte ». Le plus gros souci en amour, c'est pas de rencontrer ou de pas rencontrer les bonnes personnes. Le souci, c'est de rester avec les mauvaises personnes. Parce que c'est là que tu perds le maximum de temps. Tu vas peut-être perdre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'était pas la bonne personne au début. T'avais pas fait le bon casting. Tout le long de la relation, t'as essayé de sauver la chose, de comprendre, de résoudre. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que quand tu es avec la mauvaise personne, tu résous jamais rien. Tu auras beau faire tous les efforts que tu veux, ça ne se résoudra jamais. Il fallait, à la base, faire le bon casting, trouver la bonne personne avec qui ça allait bien se passer. Et si jamais c'est la mauvaise, ça arrive, on ne connaît pas directement la personne en face de nous. Si on ne trouve pas la bonne personne, c'est le plus vite possible dire « Désolé, écoute, je t'aime, ça se passe tant bien que mal, je vois qu'il y a beaucoup de soucis, on évoque des problèmes qui sont la répétition, je te quitte ». Je t'aime, mais je te quitte. C'est difficile de quitter quelqu'un qu'on aime. Mais en réalité, c'est quelque chose qui préserve notre bonheur et notre santé. Je ne laisserai personne venir tuer mon bonheur, ruiner ma vie, simplement par amour. Et si on va même un peu plus loin que ça, on peut se dire qu'au bout d'un moment, c'est même plus de l'amour. Ça peut être une forme de dépendance affective, ou ça peut être un oubli de soi. En gros, je ne m'aime pas, je manque de confiance en moi, donc je reste dans cette relation. Je reste dans cette relation toxique, de peur de ne plus jamais rencontrer quelqu'un après ça. Mais j'ai des gens qui m'appellent parfois, et leur vie se résume à ça. À 25 ans, ils se sont obligés à vite se mettre en couple, de peur qu'il n'y ait plus personne disponible après. À 30 ans, ils sont séparés, à 30 ans, pareil. J'ai 30 ans, faut vite que je sois en couple pour avoir un enfant. À 40 ans, pareil. Est-ce que je vais encore plaire après 40 ans? Des gens qui, systématiquement, se pressent de se mettre en couple, sans faire le bon casting, et qui du coup se retrouvent forcément dans des relations ou dans des vies amoureuses qui sont pas terribles, alors qu'ils auraient peut-être dû juste attendre et faire un bon casting à la base. On n'accepte pas tout par amour. Alors attention, on ne quitte pas l'autre au moindre problème. Bien évidemment, peut-être qu'en amitié, au bout de 2-3 problèmes, tu fais « écoute, c'est bon, des amis, j'en ai plein, toi, ça va arriver, arrêter, on va s'arrêter là ». Alors peut-être qu'en amitié, on peut le faire. « Écoute, mon ami, là, il y a plein de problèmes, je te quitte, j'ai d'autres amis, j'en ai même plein en réalité ». En amour, il est normal de considérer qu'on sera un peu plus tolérant, qu'on peut passer par des crises de couple. Et c'est bien naturel, avoir de la patience. Avoir de la patience jusqu'à un point que je vous laisse estimer. À quel moment je suis dans l'amour et dans la patience, à quel moment je suis juste dans le déni que, globalement, on a toujours les mêmes problèmes qui ne se résolvent pas, et parce que je manque de confiance en moi, parce que finalement je ne m'aime pas tant que ça, je vais accepter que l'autre soit toxique là-dedans. L'amour ne doit pas être le seul lien qui vous garde ensemble. Vous le savez très bien, on répète un même scénario d'enfance qui n'était pas terrible dans sa vie adulte. Mes parents étaient absents, ma mère était dépressive, mon père était très souvent à son travail. J'ai pensé, étant enfant, que je n'étais pas suffisant et qu'il fallait que je donne plus pour que mes parents m'aiment, sans comprendre à l'époque que mes parents étaient juste ou dépressifs ou absents pour leur travail ou dans leurs problèmes, que c'était pas moi le souci. Et j'arrive dans une vie adulte où finalement, je donne toujours beaucoup sans arriver à recevoir quoi que ce soit.
ça va bien un temps. Et puis à un moment donné, il faut que ce moteur d'enfance, on parle de l'enfant intérieur, il faut que ce moteur psychologique d'enfance s'arrête. Mais quand t'as suffisamment progressé dans ta vie, t'es plus là-dedans. Tu dis, moi, ce que je veux, c'est être heureux. Et si toi, tu me rends pas heureux, toi, tu me rends pas heureuse, ce sera la prochaine personne. J'ai suffisamment confiance en moi pour me dire que déjà, je peux vivre seul et que la prochaine personne sera la bonne. Et je ferai un bon casting. Attention, pas à l'extrême, on ne cherche pas quelqu'un d'idéal. On a tous des défauts sur Terre. Mais je ferai un bon casting pour trouver une personne qui soit dans une non-agression, dans une forme de gentillesse, dans une forme de force et de sensibilité, et aussi qui soit au même niveau de conscience et de progression que moi, une personne qui a fait son travail sur elle et qui soit adaptée à moi aujourd'hui. Maintenant, il y a plein de questions qui en découlent et on pourra en faire d'autres vidéos. Est-ce que tu es capable de donner? Probablement que oui, si tu regardes ce genre de vidéos. Est-ce que tu as un plaisir à donner? Peut-être même que tu as un immense plaisir à donner à l'autre. Maintenant, est-ce que tu es capable de recevoir de l'amour? Est-ce que tu es capable de recevoir de l'affection de l'autre? Et si oui, pourquoi est-ce que tu n'es pas avec ce genre de personne aujourd'hui? Si vous avez compris les concepts de cette vidéo aujourd'hui, vous devriez être capable de repérer beaucoup plus facilement l'homme de votre vie demain. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires. Salut à tous, bye.